Je vais vous expliquer bien entendu ce qu'on est en train de faire et ce que vous voyez surtout. Donc on est en train de... je suis toujours au temple éléphant où on est en train de faire... Je vais me reculer pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça va donner. Donc nous avons des piliers, voilà, des piliers, la plateforme, tout autour c'est des bancs qu'ils ont coulés en béton, au milieu où il y avait un moine, il est en train de faire un bassin où à l'intérieur il y aura un pied qui soutiendra la table en dessus, voilà, donc ils font la même chose que ce qu'ils ont fait sur la place du temple là-bas. Et là, je suis sur la nouvelle et le nouvel endroit où il y a ce magnifique temple que vous avez vu sur des photos et bien sûr en live. Donc voilà, dans ce coin magnifique qu'ils sont en train de construire, c'est de l'autre côté de l'ancien temple. Voilà. Alors, c'est très très grand. Et dans la forêt, là, vous avez l'ancien temple. C'est ce que vous avez vu dans les vidéos que je vous ai mis avant celle-ci. Donc là, c'est juste pour vous montrer que finalement, vous voyez que les moines travaillent. Et il y en a qui sont avec leur téléphone. Il y en a qui sont avec les animaux. Voilà. Alors ils ont une technique de travailler, c'est vrai que je ne pensais pas qu'il allait faire comme ça. Donc on va monter des briques rouges contre les parois. Une fois que ça sera monté, il va... bien entendu enduire et faire le fond. Donc c'est des jeunes moines, eux par contre ils vont rester pas mal de temps ici dans ce temple là. Il y en a qui ça fait 2 ans qui sont là, il y en a que ça fait 8 ans qui sont là. Et après, de là, ils partent sur d'autres temples. Donc, ce sont des novices. Donc, il va avoir une toiture, bien entendu, en dessus. Non pas de lui, mais de moi aussi. Alors cet endroit servira, un, pour le café, deux, ça servira pour l'appel des moines et des méchis et des pochis. Ça, j'en parlerai quand on y sera dans quelques jours, quand la retraite bouddhiste attaquera. Donc lui, c'est le plus ancien, que je connais très bien. C'est un grand travailleur, vraiment, vraiment incroyable. Il a fait des choses extraordinaires. C'est un bâtisseur. Il y a des moines qui ont quand même des spécialités. Comme là, c'est le, on va dire que c'est un moine bâtisseur.
Il y a aussi des moines instructeurs, des moines qui vont, on va dire, faire les écoles aussi, donc professeurs. Donc il y a toutes ces spécialités aussi dans ce monde bouddhiste que j'ai appris petit à petit et que je vous ferai découvrir. Il demande du béton. Il n'y a plus de béton. Poun, poun. Poun, poun, poun. Ni po, poun, poun. Mot. Poun, mot. Dulu tamran. Tamran. Tamran pun. Les chiens que vous voyez ici là suivent toujours les moines. Dès que les moines vont à droite, les chiens vont à droite, ainsi de suite. Donc bien sûr ça va très très vite avec ces briques là. C'est vrai que ça fait beaucoup de briques, mais c'est assez rapide et c'est vrai que pour faire des arrondis comme ça, ben, c'est super. Ni un kit français. Français noi. Allez, le béton, le mortier derrière. Alors c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, j'adore travailler la maçonnerie, j'adore travailler tout ce qu'il est en train de faire, j'adore le faire. C'est pour ça que je vous fais quand même des petites vidéos pour mon plaisir aussi à moi. Donc voilà mes amis, bon je ne vais pas faire une grande vidéo, ça ne sert à rien. Juste pour vous montrer que les moines travaillent quand même. Donc eux ils font le béton, il y en a d'autres derrière là-bas qui attendent dès qu'il n'y a plus de briques, ils vont aller en chercher. Et là ils sont en train d'enlever tous les clous qu'il y a sur les planches. Voilà, sur les planches de coffrage, il faut enlever les clous. Et ceux qu'on n'arrive pas à enlever, on va les tordre pour pas que ça rentre dans les pieds. Voilà. Sang
Allez, on va le laisser travailler. Moi, je vais aller dans un autre endroit, peut-être au temple Longluan, où on est en train aussi de travailler. On va voir un peu ce qu'on va voir là-bas. Aujourd'hui, je suis en promenade. Aujourd'hui, je me régale. Je fais des choses extraordinaires, comme j'aime. Et franchement, c'est que du bonheur. Allez, sur ce, à tout à l'heure.